Le perroquet. Mes amis me voyaient en enseignement. Je les ai écoutés. Le perroquet écoute les gens de son entourage et agit en fonction de leur opinion en adoptant rapidement l'un point de vue qui leur est partagé. Le perroquet n'a pas une image très claire de lui-même, de son identité et de sa personnalité. Il laisse les gens choisir pour lui sans nécessairement s'en rendre compte, mais il craint de prendre une mauvaise décision. Il n'est pas porté sur des grandes réflexions. Il faut, avec le perroquet, premièrement, faire attention de ne pas lui proposer des options car vous entrerez alors dans sa dynamique de ne pas choisir par lui-même. Il est plus important de l'amener à se révéler à lui-même en l'aidant à se connaître. Faites-lui nommer ses réussites, ses compétences, ses intérêts, des moments où vous l'avez trouvé bon dans la vie, dans des projets, et vous avez vu qu'il s'y était impliqué avec plaisir et enthousiasme. Vous pouvez aussi lui faire réaliser qu'il semble prendre les idées des gens autour de lui rapidement, mais que l'important, c'est qu'il réfléchisse plus longuement. Lui faire réaliser que la décision doit lui appartenir. Le perroquet, en fait, comble le vide que lui crée l'anxiété liée au choix en répétant les cassettes qu'il entend autour de lui. Encouragez-le à prendre lui-même ses décisions.